Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Salut ma belle, salut! Allez! Aide-moi! Oh non! Et mes chips! Oups, désolée pour ça! Oh là là! Mon jean! Excuse-moi, peut-être que c'est pas si mal! J'ai une idée! Tu vois ces taches? Il va falloir qu'on en profite et qu'on bricole quelque chose autour. Regarde-moi faire! Ça va coller tout de suite! Je vais en mettre tout un tas! Je peux même utiliser le sac! On a là un pantalon à thème! C'est prêt! Et tu le portes à merveille, Lexi! J'adore les incidents qui finissent bien! Et j'adore ce pantalon! Ouais! Bonjour! Oh, regardez! Ah, mon entretien! Dans 10 minutes? Ce n'est pas possible! Mais je l'ai noté ici! Et sur mon calendrier! Qu'est-ce qui me prend? Alors, qu'est-ce que je devrais porter? Là! Mais ces cheveux! J'ai besoin de volume, voyons! D'accord, c'est parti! Presque l'heure! Bonjour! Non! Maman s'est levée? Juste à temps! Maman! 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 Pas maintenant! Maman, maman, maman! Pas maintenant! Oh. Maman, regarde! Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? Au revoir! Oh, mon entretien! Bon, réfléchis, réfléchis! Mon pantalon! De toute façon, ils ne verront pas mes jambes! C'est parfait! Il suffit de l'ajuster un peu! Jusqu'ici, tout va bien! Là, retournons à nos moutons! C'est l'heure du spectacle! Bonjour! Je craque pour ce haut! Tellement chic! Cette vieille chose! Merci! Mec, j'adore les rencontres virtuelles! J'adore mes baskets! Mais elles ne feront pas l'affaire! Les talons sont au rendez-vous! Et j'ai là une paire spéciale! Vous voyez? Ces chaussures sont tout simplement fabuleuses! Quel progrès! Waouh! Mais c'est quoi ce trou? Elles ne sont pas à ma pointure? Oh non! Mais j'ai commandé un 37! Je dois me contenter des baskets alors! Bonjour! Je voudrais faire une plainte! Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Les chaussures à talons hauts de maman? Elles sont tellement belles! Je me demande si elles sont à ma pointure! Je suis si grande! Ouh! Ah! Je fais quoi maintenant? Je veux qu'elles soient à la bonne taille! Hé, le maquillage de maman! Ouh! Waouh! Je peux les mettre ici! Ce sera comme de petits coussins pour les orteils! Je suis brillante, non? Maintenant, elles me tombent comme un gant! Eh bien, presque! Oh! Pas tout à fait! À moins que… j'ai juste besoin de certaines choses! Bingo! Super! Mais j'ai besoin de plus! Et voilà! Parfait! Que la superposition commence! Ça devient un peu serré! Mais c'est ce qu'on veut! C'est le moment de faire un test! Alors? Toujours trop grande? Mais comment? Je suis tellement frustrée! Oh! Un instant! Des sangles, bien sûr! Pourquoi je n'y avais pas pensé avant? D'accord, le moment de vérité! Ça fonctionne parfaitement! Fabuleux! Je n'arrive pas à y croire! Maman? Je… hein? Maman, regarde! Je rentre dans tes chaussures! Hein? Elles sont bien meilleures avec des lanières! C'est très astucieux! Peu importe, excusez-moi! Tant de bonnes choses! Oh! C'est ce soir? Wouhou! Mais mes vêtements? Oh! Super! J'ai besoin de quelque chose de bien plus chic! Voyons voir! Rien que des jeans et des t-shirts! Ça? Non! Peut-être du violet? Oh, pas du tout! Et si je portais ça? Oh, maman! Oh, solo de batterie! Salut! C'est une robe? J'ai besoin de ça! C'est mon style de musique! Hein? Maman! Allô? Ma partie préférée! Cette voix chaleureuse me fait fondre! Maman! Non! Arrête le cycle! Non! S'il te plaît! Arrête! Quoi? Ça va? Oublie ça!
Lexi? Je veux juste être mignonne à la fête, dansante! Mes vêtements sont tellement vieux et ennuyeux! Je ne peux plus y aller maintenant, tu vois? Oh, c'est dommage, mais je peux aider! Oh, vraiment? Tu aimes le rouge, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ne bouge plus maintenant, d'accord? Il faut juste draper avec soin. On rassemble simplement le matériel comme ça, puis on le tire par ici. Super! Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on fait une sangle. Ta-da! Très chic! Waouh! Encore une chose, une broche étincelante qui rassemblera tout. Voilà, c'est fait! Waouh! Ouf! Voilà qui est mieux! C'est magnifique, n'est-ce pas? Ma fille est si belle! Tu peux aussi emprunter ça! Merci! Au revoir! Oh, au revoir, chérie! C'était intense! Qu'est-ce qu'il y a là? C'est tellement étincelant! Ça aurait été bien à avoir! Tant pis! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Ah, encore un jour d'école! Au moins j'ai mon cellulaire pour me tenir compagnie! Oh non! Mon top! Je ne peux pas porter ça! Attendez! Je pense que je peux faire quelque chose! Je vais utiliser ces crayons! Ouais, ça pourrait fonctionner! Je vais coller un crayon sur mon top! Puis j'en ajouterai d'autres! Je ferai de même tout le long de mon top en veillant à couvrir la tache! Ça a l'air bien! C'est très coloré! Ne le dites à personne, d'accord? Chut! Oh, merci, merci! Je sais, j'ai vraiment l'air superbe! Je serai comme la reine du bal de fin d'année! Mais je dois d'abord trouver une robe. Non, je passe. Non, je n'aime pas ça. Aucune d'entre elles ne fera l'affaire. Attendez, ça y est, c'est la bonne robe. Les détails, la créativité, les joyaux. Elle est magnifique. C'est la robe de mes rêves. Elle m'irait à ravir. Attendez, elle coûte combien? Pour une robe? Waouh, c'est fou. J'espère pouvoir me la permettre. Voyons voir. En fait, je ne pense pas que ça va suffire. En fin de compte, elle ne m'est peut-être pas destinée. Mais une fille a au moins le droit de rêver. Attendez un peu, j'ai une idée. J'aurai besoin de ça. Je suis sur le point d'en faire quelque chose de spécial. Je vais le mettre sur la table. Ensuite, j'aurai besoin d'un stylo marqueur noir. Je trace une ligne en travers de la poitrine. Puis je trace une ligne sur l'épaule. Il ne faut pas oublier l'autre côté. Ensuite, je trace une ligne en travers du cou. Une fois que c'est fait, je prends des ciseaux. Je découpe en sections. J'ai découpé du tissu réfléchissant en bandes. J'attache des lanières à l'encolure et à la taille. Et c'est prêt à être porté. Waouh, ça a l'air génial. Je l'ai assorti à un pantalon scintillant. C'est chic et élégant. Faisons la fête. Oh ouais. Jasmine est notre nouvelle reine du bal. Oh mon Dieu. C'est tellement relaxant. Je n'ai jamais de temps pour moi. C'est tellement agréable pour une fois. Je vais en profiter au maximum. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est de Justine. Attendez, 15 minutes? Je dois me préparer. J'ai complètement oublié que nous devions nous rencontrer. J'ai intérêt à faire vite. Je n'ai pas le temps de me coiffer. Un peu de poudre, ça va suffire. Cette chemise est mignonne. Presque prête. Ces jeans me vont toujours à ravir. Ils sont beaucoup plus serrés que dans mon souvenir. Allez, ils doivent me rentrer. Je n'ai pas de temps à perdre. Pourquoi c'est si difficile? Ah! C'est tellement ennuyeux. Essayons encore une fois. Attendez, je l'ai fait. Ouf, quel soulagement. Je retire tout ce que j'ai dit. Il est temps de partir. Attendez un peu, vous vous moquez de moi? Je me demandais ce qui avait changé. Ah! C'est un désastre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il faut que je me change, et vite! À moins que... Je sais quoi faire. J'aurai besoin de ce tissu en dentelle et d'une paire de ciseaux. Je couperai la dentelle en deux et je ferai une coupe le long de la couture de mon jean. J'irai jusqu'au bout de la jambe. Maintenant, je vais appliquer de la colle sur la couture. Ensuite, je colle la dentelle dessus. Je veux que ce soit agréable et sûr. Ça devrait suffire. C'est exactement ce que j'imaginais. J'ai hâte de le montrer. C'était beaucoup plus facile que je le pensais. Ce jean fait une excellente jupe longue. Et je suis en route! Oh, c'est un bon étirement. Il faut ressentir la tension. Ces muscles ne travaillent pas tout seuls. Il faut souffrir pour être beau. Oh mon Dieu, Justine me regarde. Je suis nulle quand il s'agit de flirter. Pff, je me regarde dans le miroir. Quoi? T'es sérieux? Là, je vais attirer son attention. Je suis une machine à exercice, petite mais efficace. Non, toujours rien. Essayons une autre approche. Je vais faire quelques tours de cou et ajouter des mouvements de cheveux décontractés. Ça fonctionne dans les publicités de shampoing. Wow, j'ai le vertige. J'ai besoin d'une pause. Et il ne se retourne toujours pas. Tu gâches l'ambiance. C'est juste moi et mes biceps. Waouh. C'est un peu bizarre. Je ne comprends pas. Oh là, je comprends. Mes cheveux sont en pagaille. Je dois arranger ça.
et je sais exactement ce qu'il faut faire. Ce sera formidable. Je vais épater Justin. J'ai besoin de cette nouille de piscine. Je vais en couper une partie. Celle-là devrait suffire. Ensuite, j'enroule mes cheveux autour. Je les garde bien serrés. Je dois les maintenir en place. Ce filet fera l'affaire. C'est parfait. Je fais de même de l'autre côté. Cela me donnera des boucles instantanées. Je dois juste attendre. Je vais lui en mettre plein la vue. Oh, Justin! Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Quoi? Qu'est-ce que tu portes? Regarde ça! Donne-moi une seconde! C'est comme si je sortais d'un salon de coiffure. Je n'ai jamais vu ça dans un gymnase. C'est la dernière mèche. Puis un petit mouvement de cheveux. Qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes ce que tu vois? Waouh, t'es magnifique! C'est exactement la réaction que j'attendais. Je savais que ça fonctionnerait. Hé, Jasmine, on se voit plus tard. Tu peux me regarder soulever des poids. Allons plutôt dîner. Oh, j'aime bien cette idée. Waouh, regardez cette pose. Il est si sensible. Et rêveur. Ok, c'est ma préférée. C'est comme s'il me regardait droit dans les yeux. Nous ferions un beau couple. J'aime vraiment celle-ci. Attendez, il a un tatouage. Il faut que je regarde de plus près. C'est trop cool. Et ce cœur d'amour, il est vraiment adorable. Je devrais peut-être me mettre un peu d'encre. Je veux dire que mes bras sont plutôt ennuyeux, mais j'ai peur des aiguilles. Attendez, j'avais oublié que j'avais ces autocollants. Peut-être que je n'ai pas besoin de tatouage. Je peux utiliser cela à la place. Ça vaut la peine d'essayer. Je vais décoller la protection et placer la feuille sur mon bras. Je vais l'aplatir. Maintenant, j'ai besoin de mon maquillage. Prenons la couleur orange. Je vais couvrir les cœurs. Ensuite, j'essaie le fard à paupières bleues. Ça va être formidable. J'aurais dû y penser plus tôt. Ce sera comme un vrai tatouage. Il n'y a pas une aiguille en vue. Waouh, c'est mieux que je ne le pensais. C'est l'heure du selfie. Et maintenant, je vais le poster. J'espère que Justin le verra. Waouh, il y a déjà des likes. Oh, un message. Est-ce que c'est vraiment en train de se produire? Bien sûr que je le veux. J'ai un rendez-vous avec Justin. Wouhou, je ferai mieux de me préparer. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Je porte parfaitement cette tenue. Je devrais être sur le podium. J'ai besoin de me pavaner. Hein? Wow, c'est Annie. Il est temps que je me fasse remarquer. C'est magnifique. Je ferais mieux de me préparer pour le cours. Je ne veux pas être en retard. Attendez, Jake, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'on pourrait sortir plus tard. Tout le monde peut être élégant dans une robe. Combien? Sérieusement? Il semble que j'ai besoin d'une approche différente. Hé, hey, je peux utiliser ce sac? Oui, il fera l'affaire. Mettons-nous au travail. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je me sens tellement glamour. Mais il reste encore une chose à faire. Oh, salut, Jake. Oh, je dois y aller, Annie. Luna, je suis ravie de te voir. J'adore ce nouveau look. Hein? Qu'est-ce qu'elle porte? On dirait un sac poubelle. Tricoter est si relaxant. Hey. Maman, regarde ça. Il y a une fête à l'école. Laisse-moi voir ça. Je suppose que tu peux y aller. Je vais avoir besoin d'une nouvelle tenue. Je peux pas porter ça. Laisse-moi réfléchir. Je reviens tout de suite. Je t'attends. Cette fête sera très amusante. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Tu seras très mignonne. Essaye ça. C'est une blague? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a des trous dedans. T'es pas sérieuse? Il n'y a pas moyen que je porte ça. Tu peux pas m'obliger. Je savais que tu dirais ça. Tu ne comprends pas la mode. Mais je vais jeter un autre coup d'œil. Il doit bien y avoir quelque chose que tu puisses porter. Peut-être pas. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de carton. Il est un peu poussiéreux, mais il est encore bon. Nous pouvons en faire quelque chose de spécial. Oh, Annie, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ce carton résoudra tous nos problèmes. T'es sûre de ça? Il a besoin d'être travaillé, mais je sais comment faire. Ne bouge pas. Maman, attends, arrête! C'est vraiment bizarre. Je suis un génie. Tu es magnifique. Waouh! Comment t'as fait? Elle est superbe. Permets-moi de faire encore une chose. On va se débarrasser de ces lunettes. Waouh! Tout est si flou. Mais je me sens fabuleuse. Je suis comme un mannequin. Oh, je crois que j'ai mangé des cheveux. Merci, maman. C'est la meilleure. Je pense que je le suis. Je dois immortaliser ce moment. Prends une pause. Je ferai mieux d'y aller. Au revoir, maman. Elle grandit si vite. Woup woup! J'adore cette chanson. Je peux pas m'arrêter de danser. Hé, hey, Brian, je peux t'offrir un verre? Oh, ouais. C'est une grande fête. Je suis heureuse que Brian soit là. Je veux dire, regardez-le. Il est parfait. Je pourrais le regarder bouger toute la journée. Qui aurait cru qu'il avait du rythme? Il est si mignon! Oh non, ma jupe!
Oh, les fichus! C'est un désastre! Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, j'ai une idée! Je peux utiliser ma chemise! Oui, ça fera l'affaire! En y réfléchissant bien! Oh, je pensais que ça fonctionnerait! Je suis vraiment en train de transpirer! Oh, il commence à faire chaud ici! Attendez, c'est ça! Je vais devoir faire vite! Allez, où est-ce qu'elle est? Je l'ai! C'est ce que nous allons voir! Je vais fermer le bouton du haut! Ensuite, je les enroule autour de ma taille! Ce sera la taille parfaite! Maintenant, je vais les boutonner ensemble. Je dois cacher ma jupe. J'ai tout boutonné. Maintenant, je remonte les cols. Et je mets une ceinture. Ça les maintiendra en place. J'utilise les cols pour dissimuler la ceinture. Mais qu'est-ce que je vais faire des manches? Ah, je sais! Je vais les attacher à l'arrière. Waouh, ça a l'air tellement bien! Oh, Brian! J'ai ton soda. Juste ce qu'il me faut. Wow, j'aime bien ta tenue. C'est vrai? Waouh! Je l'ai conçu moi-même. Ouais, t'as l'air fraîche. Hein? Attends un peu, ça me dit quelque chose. Où est passée ma chemise? Qu'est-ce qui se passe? Dansons? Bonne idée. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Waouh, tes cheveux sont tout emmêlés. Oh, j'en reviens pas qu'elle joue encore avec des poupées. Oh, salut, tu aimes les poupées? Tu trouves pas que ses cheveux sont beaux et soyeux? Désolée, je dois y aller. Oh, il peut pas comprendre de toute façon. Dolly est un peu salée, elle a besoin d'une coupe de cheveux. Ne bouge pas de là, tu ne vas rien sentir. Encore quelques coups de ciseaux, on va aussi s'occuper de cette robe en lambeaux. Waouh, t'es bien mieux comme ça. Tiens, assieds-toi juste à côté de moi. Je suis contente de voir à quel point le relooking de Dolly est réussi. Qu'est-ce que... Tu es qui, toi? D'où est-ce que tu viens? Dolly? J'arrive pas à croire que tu sois vivante. Comment tu t'es transformée en humain? Arrête de me toucher comme ceci, Wendy. C'est mal poli. J'en reviens pas que tu sois en face de moi. C'est sûrement la chose la plus folle et la plus surprenante qui me soit jamais arrivée. Dolly, tu veux bien qu'on prenne une photo toutes les deux? Ouais! Regarde toutes les photos que j'ai de nous. Une seconde, j'ai vraiment cette tête-là en vrai? Dolly? Pauvre Wendy, c'est vrai que ces photos ne sont pas terribles. Ne fais pas attention à ces photos. Tiens, prends plutôt ce miroir. Je ne comprends pas, qu'est-ce que je suis censée voir là-dedans? Attends, ne bouge pas. Je me demande où elle est partie. C'est pas grave, elle va revenir. Puisque j'ai ce miroir, autant m'occuper de ses boutons. Je vais juste appuyer un peu dessus. Dégueu. Je vais aussi faire celui qui est juste au-dessus. Oh, j'en ai aussi un là, en bas sur la joue. Wendy, me revoilà et j'ai apporté un sac. Mais qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Rien, j'éclate juste mes boutons, je ne peux pas m'en empêcher. Je vois. Écoute, j'ai mieux que tes doigts pour faire ça. Hein? C'est quoi? On dirait une sorte de gadget. Alors, on dirait qu'il faut que j'appuie sur ce bouton et que je le mette sur mon visage. Oh mon Dieu, ça a carrément fait disparaître mon bouton! Est-ce que c'est réel ou est-ce que je suis en train de rêver? C'est incroyable! Ce truc est magique! Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est trop génial! Je vais continuer de m'en servir. Je vais voir si j'arrive à faire disparaître tous les boutons de mon visage. Tu t'en sors très bien, Wendy. Continue. Merci beaucoup, Dolly. J'ai encore quelque chose pour toi. Tu veux essayer? Bien sûr! À ce stade, je veux bien essayer tout ce que tu me proposes. Je vais appliquer ce masque au thé vert sur ma peau grasse. Mes joues et mon nez sont les zones les plus problématiques. Merci, Dolly. Tiens, je te rends ton tube. De rien. Je crois que tu peux l'enlever maintenant. Ça fait assez longtemps. Super. J'attrape juste une lingette et j'enlève tout ça. Waouh, regarde, je n'ai plus aucun point noir. Incroyable. Ma peau a l'air tellement plus apaisée. C'est vrai. Maintenant, passons à la suite. C'est quoi? On dirait du scotch. Oh, c'est pour mes sourcils. Qu'est-ce que c'est censé faire? Ça ne risque pas de m'arracher les sourcils? Oui, alors, attends une seconde. Je vais simplement retirer le scotch de ton visage. Oh, waouh, mes sourcils sont redessinés. J'en reviens pas qu'un simple morceau de scotch ait pu faire ça. Merci beaucoup, Dolly. Tu es ma meilleure amie. Et si on prenait de nouvelles photos ensemble maintenant? Bon, il faut que j'aille à l'école. C'est trop naze. Voilà mon sac. Oh, salut Dolly, ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu
tu vas aller à l'école habillée comme ça? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, mais j'ai une idée pour toi. Viens, assieds-toi sur le canapé. Maintenant, laisse-moi voir ce que tu as dans ton armoire. Mais... Oh, waouh! Regarde comme cette couleur est vive et joyeuse. Oh, ça? Vraiment? Oui, je pense que c'est parfait pour aller à l'école. Bon, très bien. Laisse-moi juste l'enfiler. Je passe mes bras dedans. Ok, c'est bon. Oui, ça te va super bien. Ne bouge pas. Oh, d'accord. Heureusement que j'ai un peu de chocolat sur moi. Oh, regarde ce joli bandeau en velours. Il est parfait pour toi. Il te va à ravir. Oh, je viens d'avoir une autre idée. Bon, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre à manger? Oui, ce jean sera parfait. Un jean? Sérieux? Bon, ok. Bon, tiens-moi mon pot de Nutella pendant que je me change. Oh, allez, c'est trop serré! J'arrive pas à l'enfiler! Non, je n'arriverai jamais à le fermer. Oh, Wendy, dans ce cas, la seule solution, c'est d'arrêter le sucre. Quoi? Mais j'adore les sucreries! Oh, ok. Bien, maintenant, laisse-moi voir si j'arrive à boutonner ce jean. Ouch! Ouille! Aïe! Et voilà, c'est boutonné! Je ne sais pas comment t'as réussi. Tu dois avoir des pouvoirs magiques. Tu es adorable. Tiens ton sac. Amuse-toi bien. Waouh, c'est du travail de la préparer. Regardez-moi tous ces emballages. Elle mange trop de cochonneries. Je vais devoir nettoyer tout ça et les mettre à la poubelle. Une seconde, d'où vient ce bruit? Est-ce que Wendy est dehors? Ouais. Oh, salut Dolly. Ne fais pas attention à moi. C'était une barre chocolatée. Elle doit bien être dans le coin. Oh, Dolly! Oh, Wendy! Mais j'ai trop faim! Il faut que je mange un truc! Oh! Bonjour, Wendy! Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? C'est quoi ce bruit? Je crois que ça vient du frigo. Je ferais bien de vérifier que tout va bien. Oh! Salut, Dolly! Wendy, sors du réfrigérateur! Il fait froid! Viens par ici et donne-moi ce Nutella. Prends une banane plutôt que de manger du chocolat. C'est plus sain. Quoi? Une banane? Oh non, c'est trop nul! C'est très bon pour toi. Il faut que je finisse la vaisselle. Oh, quel enfer! Et attendez une seconde, je crois que je viens d'avoir une super idée. Est-ce que Dolly regarde? Non, elle est encore devant l'évier. Je vais utiliser mon super appareil à banane. Il est temps de s'y mettre. Pan, pan! Je dois maintenant faire passer cette tige comme ça, puis je tourne. Maintenant, je la retire et ça fait sortir l'intérieur de la banane. Burk, c'est la partie la plus répugnante. Maintenant, je place la banane évidée juste ici. Et là, je verse mon délicieux Nutella. Ça devrait suffire. Je n'ai plus qu'à presser le levier. Iiih! Maintenant, ma banane est remplie de Nutella. Cette fois-ci, j'ai hâte de la manger. Wendy? Oh, salut Dolly! Oui, je mange une banane pour le goûter. Ouf! Il s'en est fallu de peu, mais je crois qu'elle n'a rien remarqué. Oh, regardez-moi ce délice de chocolat aux noisettes! Oh mon Dieu, c'est tellement bon! C'est la meilleure banane que j'ai mangée de ma vie! Coucou, je suis enfin rentrée de l'école! Il était temps! Hé, je suis toujours jolie, mais j'ai besoin de quelques retouches de maquillage. Oh, oups! J'avais oublié d'enlever mes lunettes. Je vais remettre un peu de poudre teintée. Voilà, je pense que ça ira. Et maintenant, du mascara. Il faut que je recouvre bien mes cils. Oups! J'en ai mis sur ma paupière. Bah, c'est pas grave. Voilà, c'est pas mal comme ça. Je m'en suis bien sortie. Ce rouge à lèvres rose est mon préféré. Il est vraiment trop beau. J'adore! Oh, Wendy! Tu es rentrée. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je sais. Tu te remaquilles. Fais voir ce que ça donne. Ouais, j'avais besoin d'une retouche. Dolly? Dolly! C'est pas vrai! Est-ce que ça va? Allez, viens, relève-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a fait chuter comme ça? Pourquoi est-ce que tu mets du maquillage? Oh, je ne t'ai pas dit! Regarde, c'est une annonce pour un défilé de mode! Un défilé de mode? Je vois. Bien, si tu veux y participer, je vais te donner un coup de main. Suis-moi! Hein? Assieds-toi sur le canapé. Quoi? Il faut que j'arrange ton maquillage. Mais j'y ai déjà passé des heures! Oh, bon, très bien, je vais tout enlever puisque c'est ce que tu veux. Oui, et n'oublie pas d'enlever ton rouge à lèvres aussi. Beau travail, Wendy! Maintenant, laisse-moi attraper mon maquillage. Waouh, c'est quoi tout ça? Où est-ce que tu as eu cette énorme mallette? C'est là que je garde tout mon maquillage et mes produits.
Regarde, on va mettre le fond de teint liquide sur une brosse rotative. Regardez comme ça tourne vite, c'est super rapide. Voilà, ça devrait suffire. Et maintenant, je vais laisser la brosse appliquer le fond de teint sur ta peau. Waouh, c'est tellement doux! Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, maintenant ta peau est parfaite. Génial! Qu'est-ce que tu as comme mascara dans tout ça? Oh waouh, tu as des faux cils magnétiques! Exact, comme ça tu n'auras même pas à mettre de mascara. Ne bouge pas, je vais mettre ces faux cils par-dessus tes vrais cils. De quoi est-ce que j'ai l'air? Je parie que c'est beau. Oh, des lèvres? Je pense que c'est bon là. De quoi ça a l'air? C'est incroyable! La couleur est spectaculaire. Mais il va aussi falloir que tu changes de tenue. Tiens! D'accord, c'est parti. Dolly, tu as un vrai sens de la mode. C'est super chouette. Oh, regarde, on est presque habillés pareil. Parfait, allons-y. Oh, maintenant qu'on est là, je me sens hyper nerveuse. Tu sais quoi? Je ne vais pas le faire. J'ai trop peur. Tout va bien. Prends une grande respiration. Tu vas y arriver. Oups, désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis là pour le défilé de mode. C'est vrai qu'elle est jolie. Salut. Waouh, tu es magnifique. J'adore ton haut. Je savais que ça marcherait. Hé, hey, mon ami. Qu'est-ce que c'était? Qui laisse ces choses traîner? Je ne comprends pas. T'aurais dû voir ton visage. Contente que tu trouves ça drôle. Quoi qu'il en soit... Wow! Je tombe! Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Hello Kitty? Offre-moi un cadeau, hein? Je pense que je pourrais le faire. Bonjour Wendy! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour toi, hein? Vraiment? Ça? Miaou! Hein? Wendy, c'est toi? J'adore ça! Salut! Appelle-moi Hello Kitty! Génial! Avec grand plaisir! Hé, hey, devine quoi? Je viens de voir la chose la plus étonnante! Attends, ralentis, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a carrément demandé de sortir avec lui! Bravo, génial! Mais attends une minute! Tu ne vas pas porter ça, j'espère! C'est pas la tenue qu'il te faut, ma fille! Comment ça? Oh! D'accord, attends, ce jean serait super! Fais-moi confiance! Cool! Merci! C'est ainsi que l'on résout le problème. Je peux pas me concentrer sur les maths pour l'instant. Oh! C'est plutôt mauvais! Hé, hey, t'as du chewing-gum? Quoi? Attends! Que penses-tu de ça? Oh, merci! Bon, pas de problème. Beaucoup mieux. Eh bien, je n'en ai plus besoin. Et je m'en débarrasse là où je veux. Oh, c'est enfin fini. Je sors d'ici. Ou peut-être pas. Oh, ce truc est comme de la colle. C'est tellement dégoûtant. Jasmine, nous ferions bien d'y aller. Mais je suis prêt à t'attendre, bébé. Oh! Et maintenant, je fais quoi? Aide-moi, j'ai une urgence de chewing-gum! Attends, calme-toi, j'ai une idée. Tout ce qu'il te faut, c'est d'un peu d'amour. En tout cas, le symbole de l'amour. Il ne reste plus qu'à couper autour du chewing-gum. Retirer le morceau découpé. Peindre ensuite autour de la zone. Mais n'oublie pas de peindre aussi les cœurs. Maintenant, remets-les en place, mais d'une nouvelle manière. Il suffit d'utiliser des épingles pour les accrocher. C'est trop mignon! C'est comme une nouvelle paire de jeans. Et aucune trace de chewing-gum nulle part. Ah, merci! Pas de problème! À bientôt! Allez, dépêche-toi! C'est mon petit chez-moi, tu vois? Attends! Regarde ça! N'est-ce pas magnifique? Envie d'essayer? Assieds-toi! Je vais faire en sorte que tu sois fabuleuse! Es-tu plutôt automne ou hiver? Je pense que tu es été!
Attends encore une minute. Voilà. Oh! Qu'est-ce que tu m'as fait? Je sais, c'est totalement génial. Ce visage, pas question. Oh! Attends, tu n'aimes vraiment pas ça? Mais j'ai travaillé si dur. Ça doit disparaître. Oh! Ouf! J'ai une idée. Wendy? Oh, mes allergies font des siennes. Oui, juste des allergies. Tu pleures. Je ne voulais pas te blesser. Attends, c'est un tampon? Je peux vraiment travailler avec ça. Oh oui. Hé, hey, tu veux essayer? Hein? Où as-tu trouvé ça? Qu'est-ce que c'est? D'accord, il suffit de regarder et d'apprendre. Prête? Tout d'abord, trempe-le dans un peu de maquillage blanc. Choisis ensuite un endroit de ton visage. Je choisis ma paupière. Mais je n'ai pas fini. Utilise un pinceau fin pour remplir l'espace. Tu peux également tremper à nouveau ton pinceau. C'est presque terminé. Utilise du rouge pour le nœud. Attention à rester dans les lignes. Passons maintenant à l'autre côté. Une fois que tu as terminé, utilisons du noir pour tracer le contour du nœud. Que dirais-tu d'un petit œil de chat? Ça commence à avoir de l'allure. Tu veux une belle ligne qui tient bien. Il faut faire des coups de pinceau lents et réguliers. Utilise le pinceau pour faire de petits traits sous l'œil. Il est temps de mettre une paillette. D'accord, beaucoup de paillettes. Pourquoi pas, n'est-ce pas? La pince à épiler facilite l'application. Les petites pièces transparentes peuvent être placées le long de la paupière. D'accord, la dernière. Un peu de brillance dans les coins également. N'oublie pas le bas. Voilà, les deux côtés sont égaux. Waouh, c'est plutôt cool, non? Bien mieux qu'avant. Tu ne trouves pas? Tu veux essayer? Waouh, donne-moi ça! C'est trop cool! Hein? Donne, je le veux! Prends mon argent! On dirait que t'as de la demande maintenant. Je suis prête! J'arrive. Depuis combien de temps j'étudie? Une heure? C'est suffisant. Attendez, c'est quoi le noyau déjà? Le voilà. Je ferais mieux de marquer cette page. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je me remercierai plus tard. Je ferais mieux d'y aller. Hé, mon ami! T'as un crayon à me prêter? Bien sûr, oui! Il est à toi! Merci! Je ferai mieux d'y aller. À bientôt! Elle est si gentille! Attendez! Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça! Attendez, c'était cette page? Je ne laisserai pas cela se reproduire! Ça va aller! Crise évitée! J'espère ne pas être en retard! Wow, un dollar! Qu'il trouve le garde! Ouais! Oh! Ok, je dois juste me concentrer. En quelque sorte. Où est passé le dollar? Il a dû tomber ou quelque chose comme ça. Attendez, est-ce que j'entends des bruits? Je ne laisserai jamais cela se produire. Qu'est-ce que... Aucun livre n'est autorisé. Hé, ici! Waouh, comment t'as eu ça? La page est sauvegardée et tout est là. Trop mignon! On dirait que j'obtiendrai un A après tout. C'est fait, c'est fait. Quel soulagement! Ah, merci! Toi, peu importe. T'as bientôt fini? Hé, hey, regarde ça! J'ai réussi! Mais dis-moi, comment as-tu fait? Oh, je suppose que je pourrais te le dire. Prends une feuille de papier et plie-la en triangle. Coupe ensuite ce morceau. Plie à nouveau le triangle. Et encore. Plie ce rabat vers le bas, puis la partie centrale également. Ensuite, rentre cette partie supérieure.
et replie-la ici. Voilà, maintenant retournons-la comme ça. Hello Kitty, s'il vous plaît. N'oublie pas les oreilles. Et le nœud, bien sûr. Ensuite, mets-la sur la page que tu veux. Elle s'adapte parfaitement, tu vois? C'était si facile, n'est-ce pas? C'est génial! Allez, j'ai plein de trucs. Chut, j'essaye de travailler. T'es vraiment une intello. Peut-être que si tu prêtais attention, tu réussirais les examens. Manger des bonbons est bien plus amusant. Hein? C'est quoi ça? Des bonbons dans ma classe? C'est quoi ça? Un verre? Ah! Et maintenant quoi? Je t'ai eu! Oh, allez! Doremi! Ok, je suis prête! Oh oui, bien sûr! Je n'ai pas besoin de beaucoup de maquillage. Je suis naturellement belle. Je vois ça. On va mettre un peu de rouge à lèvres. Attends, j'ai un appel. Sérieux? Bonjour. Tu plaisantes? Il a fait quoi? J'arrive. C'est l'heure du spectacle. On doit y aller. Oh, d'accord, bien sûr. Attends, je ne peux pas sortir comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, maquilleuse, reviens! Quel désastre! Allez, j'y vais! Ça ne peut pas être si difficile. Jusqu'ici, tout va bien. De qui je me moque? Je ressemble à un clown! Ok, je vais essayer d'une autre manière. J'espère que ça va marcher. Ces cours de yoga ont vraiment porté leurs fruits. Ouais, ouais, je sais. Je vais la voir. Ce n'est pas ce que tu penses. Quoi? On va en avoir pour un peu plus longtemps. J'essaye de me maquiller! Waouh, pas si vite! On doit pouvoir faire quelque chose. Génial, il y a un fil qui pend sur ma veste. Attends, on peut peut-être utiliser ça. Ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais frotter le fil sur le rouge à lèvres. Il doit être complètement recouvert. Maintenant, je vais faire un contour autour de tes lèvres. Faisons la lèvre inférieure. Ensuite, nous allons remplir les lèvres. Voilà, c'est fait. Waouh, c'est magnifique! Je ressemble à mon poster. Parfait. Comment ça? Le spectacle a commencé? Mindy est avec moi! Allez, bouge-toi, bouge-toi! Allons-y! Quelle belle journée! Oh, voilà un bon endroit pour s'asseoir! Waouh, c'est magnifique! J'aime bien être dans la nature. Oh, un mignon petit écureuil! Salut, petit gars! Oh, je pourrais te peindre! Ne bouge pas! Oups! C'est passé tout près! Désolée, j'en ai pour une minute. Je peux peut-être m'appuyer sur le banc. Attends. Non, ça ne va pas. Je n'arrive pas à être à l'aise. Pourquoi c'est si dur? Oh, c'est tellement frustrant. Oh, cette pizza a l'air délicieuse. Je peux t'aider? Salut. Je peux avoir cette boîte? Je peux te payer? Bien sûr. Mais pas la pizza. Génial! Je peux acheter plus de pizzas. C'est mon jour de chance. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je vais utiliser ça pour tenir le couvercle. Puis je vais mettre mon panier dessus. C'est comme un chevalet d'artiste. Maintenant, je peux te peindre. Oh! Oh! Je peux peindre la fille de la pizza. Ça a l'air super bien. Mais les portraits sont tellement difficiles. La pizza, c'est vraiment la nourriture parfaite. Hé, tu as été un super modèle. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es en train de me peindre? Je peux peut-être jeter un coup d'œil. Je vais rester ici, sans bouger ni faire de bruit. Incroyable! Je n'y crois pas! C'est un chef-d'œuvre! Waouh! Tu m'as fait peur!
c'est toi. J'espère que ça te plaît. J'adore. Tu crois que je pourrais te l'acheter? Oui, bien sûr. Merci, tu es une véritable artiste. C'est trop gentil. Oh mon Dieu! Waouh! Regarde ça! Hein? Oh, salut Mindy! Tes chaussures sont trop mignonnes! Tu dois me dire où tu les as trouvées! Laisse-moi t'aider. Waouh! J'ai failli oublier! Qu'est-ce que tu penses de mes chaussures? Waouh! Elles sont très jolies! Je suis tellement jalouse! Oh, tu es si gentille! Elles vont vraiment bien avec mon haut! Salut les filles! Cette couleur est vraiment magnifique! Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont tes chaussures? Quelle tragédie! Elles sont vraiment moches! Je ne mettrai jamais un truc pareil! Je sais, tu as raison! Elles me plaisent! Elles vont bien avec tous mes vêtements! Bref! C'était quoi ça? Je crois que j'ai marché sur quelque chose! Oh! C'était un crayon! Je ne peux pas utiliser ça! Ou si? Je vais leur montrer. J'ai besoin de crayons. Je vais les utiliser pour améliorer mes chaussures. Je vais mettre de la colle sur les crayons, seulement sur un côté. Puis je vais le coller sur le talon de ma chaussure. Je vais faire la même chose avec le reste des crayons. L'idée, c'est de couvrir tout le talon. Je vais utiliser des crayons plus grands pour faire le tour du talon. Voilà le dernier! Waouh, elles sont joliment colorées! Ajoutons un peu de couleur à cette chaussure. Je ne dois pas oublier l'autre. Qui a besoin d'aller acheter de nouvelles chaussures? J'ai hâte de les mettre! C'est parti! Plus tard, j'irai faire du shopping. Tu devrais venir! Oh mon Dieu! Regarde ces chaussures! Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Elles sont belles, hein? Fermez la bouche, sinon les mouches risquent de rentrer dedans. Waouh! Ah, c'est tellement rafraîchissant! Ok, je vais vérifier mes mesures. Salut Jennifer! J'ai tellement faim! Ça te dérange si je mets la télé? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que je suis au régime! Ça sent si bon! Attends, va-t'en! Ok! Oh, regarde ça! C'est un énorme ours en peluche! J'ai une idée! Je vais faire une entaille dans l'ours, puis le remplir avec mes snacks. Comme ça, ils seront bien cachés. Jennifer n'a pas besoin de les voir. Et je pourrai les manger tranquillement. Merci de t'être débarrassée des bonbons. Oh oui, bien sûr, pas de problème. Mindy, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je fais juste un câlin à l'ours en peluche. Il est vraiment mignon! Elle a failli me prendre! Oh! Je n'ai pas lu ce magazine! Waouh! Regarde-moi ça! J'ai toujours voulu être mannequin! Il suffit de marcher en ligne droite! N'importe qui peut le faire! De quoi est-ce que j'ai l'air? Waouh! Est-ce que c'est moi? J'ai connu des jours meilleurs! Je ne pourrai jamais défiler sur les podiums! Comme j'ai bien dormi! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui te rend si triste? Je voulais être mannequin! Mais regardez-moi! C'est certainement un problème. Mais je sais quoi faire! Faisons éclater ces boutons! C'est vrai? T'es sérieux? Je suis une machine à faire éclater les boutons! Allez! Par où commencer? Il y en a tellement! Oh! Celui-là ne veut pas se laisser faire! Je vais essayer ceux qui sont sur mon nez. Non, ça ne marche pas. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Je pourrais peut-être utiliser ces bâtons de glace. Ça vaut la peine d'essayer. Souhaitez-moi bonne chance. Ça ne se passe pas comme prévu. Oh, c'est tellement ennuyeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il doit bien y avoir quelque chose. Oh, ce truc pourrait faire l'affaire. Je vais les frotter. Il faut que ça marche. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'attitude à adopter, Sunny. Montre à ces boutons qui est le patron. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Ah ah, je sais. Ma tasse de terre. Je gardais ça pour plus tard. Mais à situation désespérée, mesure désespérée. Je vais m'en enduire le visage. Ce sera comme un masque de beauté sain. Du moins, je l'espère. Ne me laisse pas tomber, mère nature. Où est mon miroir?
Oh, je pense que j'ai empiré les choses. En effet, tu devrais peut-être essayer cela. Ne bouge pas. Hein? Des autocollants? T'es sûr que ça va fonctionner? Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Je les place sur les boutons. Et maintenant? Je me sens si bête. On attend que la magie opère. Oh, je n'ai pas de montre. Ne t'en fais pas, je vais compter. Je pense que ça fait assez longtemps. Je vais les enlever. Ça fait du bien. Regarde-moi ça. Ils ont enlevé les boutons. Waouh, celui-là est bien gros. Jetons un coup d'œil. Waouh, j'en reviens pas. Ma peau est superbe. Enfin, à part la terre. Qu'est-ce que t'en penses? T'as l'air bien. Je savais que ça fonctionnerait. Je suis si heureuse. Oh ouais. Ma peau est éclatante. Appelle-les. Aïe, mes cheveux! Ce flamant rose m'a attaqué. Oui, il ne sait pas gérer sa colère. Laisse-moi! Il ne faut pas que tu tires. Laisse-moi faire. Et voilà. Oups, il y a quelque chose là-dedans. Je vais l'enlever. Et tu dois enlever ce chapeau. Ça fait un moment que je suis pas allée au salon de coiffure. Tu parles. Comment c'est même possible? Tu sais maintenant pourquoi je porte ce chapeau. C'est comme une forêt là-haut. Je crois que j'ai tout enlevé. Attends une seconde. J'ai une idée géniale. J'ai besoin de faire de la place. Je vais poser une feuille d'aluminium sur le sol. Ensuite, je dessinerai un cœur d'amour dessus. Je peux être si romantique. Je vais colorier le cœur. Maintenant, j'ai besoin de mon pistolet à colle. Je passerai sur le cœur avec la colle. Je commencerai par les lignes de base. Ensuite, je le remplirai. Je ferai d'autres cœurs pareils, mais j'utiliserai des couleurs différentes. Je vais attendre que la colle prenne. Ils sont mignons, hein? Je les mettrai dans tes cheveux. Waouh, t'as fait ça pour moi? J'adore! Et maintenant, le reste. C'est incroyable! J'ai ajouté des paillettes à la colle, juste pour les rendre encore plus spéciaux. Ils vont te permettre de te démarquer. C'est le dernier. Je me sens tellement glamour. Je peux pas croire que t'aies fait ça. Qui a besoin d'un salon de coiffure? Tu peux me coiffer quand tu veux. Merci beaucoup. Je le pense vraiment. T'es un génie de la coiffure. On m'a déjà traité de bien pire. Tu ressembles à une œuvre d'art. Je me laverai plus jamais les cheveux. Je me sens bien, mais... ces vêtements doivent être changés. J'ai une longueur d'avance sur toi. C'est ce que j'appelle le hobo chic. Quoi? Je peux pas porter ça. Je n'ai pas terminé. Lumière! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais y aller. Et je fais l'amour. J'ai changé d'avis. Je te l'avais dit. Fais un effort. J'aime bien ça. Donne-moi plus d'attitude. Recommence. Vraiment? Très bien. Je pensais que j'étais mignonne. Je me sens féroce. Cette cape est un excellent accessoire. Non, pas question. Tu dois changer. Si tu le dis... regarde ça. C'est le look d'une personne en détresse. C'est pas tout à fait ça. Donne-moi ça. Oui, ça va faire l'affaire. Attends ici. Je vais ouvrir l'éponge. Et maintenant, je vais faire une petite modification. Je vais la froisser. C'est ce que je recherche. Qu'est-ce que tu en dis? Pas mal, hein? Je ne sais pas quoi dire. Je me sens comme une princesse. C'est très joli. Je ne sais pas comment t'as fait. Tourne que je vois ça. Waouh, c'est magnifique. Tu le penses vraiment? Je n'ai jamais rien eu de tel. Tu es magnifique. Je ne plaisante pas. Je ferai mieux d'y aller. Non, nous devons nettoyer cette saleté. Oups, j'avais oublié ce point. Souhaite-moi bonne chance. Au revoir. Je crois en toi. Et voici les larmes. Je peux t'aider? Une fête? Regarde ce qu'on vient de recevoir! Et c'est une fête déguisée aussi! Nous ferions mieux de commencer à nous préparer alors. Allons-y! Partir avec une base solide est la clé de toute chouette transformation. Allez, ça ne change rien! Je n'ai toujours pas l'air différent du tout! Je n'ai pas le répit, décidément! Je ne peux pas aller à la fête déguisée comme ça!
Si seulement je pouvais mettre ces couleurs. Il s'avère que tu peux transformer des crayons de couleur en maquillage. Oui, laisse-les tremper là-dedans. Maintenant, c'est doux et agréable. Que le coloriage commence. La couleur s'applique très bien maintenant. Suivant, du rose. Ajoute autant de couleurs différentes que tu veux, les unes après les autres. Presque fini. Je fais tout l'arc-en-ciel. Et pourquoi ne pas faire une petite aile à la fin? N'oublie pas de faire pareil avec les deux yeux. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? C'est une astuce plutôt sympa, non? Ok, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la tenue. Je sais, c'est arc-en-ciel-tastique, bébé. Ok, il est temps de se préparer pour la fête. Je suis sûre que j'ai quelque chose là-dedans. Ah! Aucune tenue ne va le faire! Non, encore pire! Pourquoi est-ce que j'ai ça? Ah! Hey! Oh non! Comment as-tu? Ne panique pas! Il doit y avoir quelque chose ici qui va faire l'affaire. Mes collants? Comment? Il suffit de sortir des sentiers battus. Ok. Encore une étape importante. Les collants te permettent de faire un dégradé. Utilise des teintes bleues sur tes joues. Et du violet sur tes lèvres. Enlève les collants et profite des superbes résultats. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Tu es prête à faire la fête? Allez, allons-y! Cet endroit est génial, non? Ok, j'adore le maquillage, pas vrai? Tout le monde nous regarde! Même le DJ! Il est plutôt mignon! On devrait s'habiller comme ça tous les jours! J'ai presque fini! Voilà! Qui a besoin d'aller chez la manucure? Oh, mon téléphone! Youpi! Oh, attends! Mes ongles! Mais je dois répondre! Je ne sais pas quoi faire! Oh, qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé là? J'ai juste besoin de mon stupide téléphone! Oh! Je pourrais certainement avoir besoin d'une petite sucrerie! Mais non, je dois me concentrer ici! Facile! Allez! Ok, j'ai compris. Je n'arrive pas à le croire. Oh non, il y avait un prix à payer. Oh, tout mon travail est foutu. Ah, c'est atroce. Ok, pas de panique. Ce sont juste des ongles. Hé, et mon verre d'eau? Essayons encore une fois, d'accord? Ok, cette fois, je vais le faire différemment. Au lieu de le laisser sécher à l'air libre, utilise de l'eau glacée pour fixer le vernis. Garde les ongles plongés dans le bol. Puis, après quelques minutes, tu verras que le vernis est bien fixé. Il faut que je raconte cette astuce à tout le monde. Tu ne vas pas le croire. Ah, beau et propre. Le dentiste dit de passer du fil dentaire tous les jours. Et je l'écoute toujours. Hé! Je suis pressée, d'accord? Waouh! Son maquillage est vraiment joli! Et regarde ce rouge à lèvres, rouge! Il y a comme un souci! Ce n'est pas bien du tout! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bonne question! Tu aimes vraiment le fil dentaire, hein? Je vais faire comme toi! Ces petits fils dentaires peuvent également t'aider à mettre ton rouge à lèvres. Tout d'abord, frotte-le sur le rouge à lèvres. Une fois que c'est fait, presse-le le long du bord de tes lèvres. Cela peut demander quelques essais. Waouh ! Fais un X sur la lèvre supérieure et continue à tracer le contour, alors il ne reste plus qu'une chose à faire. Regarde comme c'est plus lisse ! Continue à passer sur les lèvres pour t'assurer que la couleur est bien foncée sur toute la surface. Beaucoup mieux! Tu ne trouves pas?
Tu déchires, sœurette! C'est parti pour le cinéma! Ces choses sont magiques! Oublie Picasso! Gina, l'artiste, est dans le bâtiment! Mec, ce jeu est plus dur que je ne le pensais! Hein? Je ne peux pas lire mes textos maintenant! Oh, c'est bien! Waouh! Pas plus de textos! Dégage! David est là? Je me suis laissé distraire par mon jeu! Je dois me préparer! Hein? Bizarre! Une petite retouche devrait suffire. Et un peu de rose. C'est un bouton? Et il est bien crémeux! Dégage, espèce de saleté! Dégueu! Je ne peux pas sortir comme ça maintenant! Les boutons sont le dernier de mes soucis. Je suis tellement moche! Hé! Hey, la peinture de Gina! Regarde ces couleurs qu'elle fait! Elles sont géniales, hein? Tu as peut-être trouvé quelque chose, Frangine! Je suis sur le point de peindre mon propre chef-d'œuvre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un fond de teint mélangé à un fard à paupières vert. Je vais mélanger le tout ici sur la palette. Il suffit d'un peu de maquillage. C'est l'heure de changer les choses. Utilise le pinceau pour mélanger les couleurs. Puis mets-en un peu sur le problème. Le vert qu'il contient va annuler la rougeur. Waouh ! L'art, c'est vraiment cool ! Ça a vraiment marché ! Je ferais mieux d'appeler David ! Hé ! Ce truc du réalisme est vraiment génial ! Waouh ! Cette fête est vraiment top ! Je pourrais danser sur cette chanson toute la nuit ! Tu es sûre que tu devrais vraiment faire ça ? Allons danser par là. Hé, d'où venez-vous, les gars? Qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Oh! Personne ne veut parler à cette Jane sans intérêt. Mais cela peut s'arranger. Avec un peu de paillettes, bien sûr. Commence par mettre du gel pour les cheveux dans un bol. Tu peux être généreuse ici. Et maintenant, la partie la plus amusante. Verse autant de paillettes que tu veux. Tu peux même faire un tas de couleurs différentes. Puis, peins tes cheveux avec le mélange directement. N'aie pas peur d'en mettre partout. C'est déjà très beau. Puis, plus il y a de couleurs, mieux c'est. Et maintenant, les tresses. Regarde! Tes cheveux sont incroyables! Regarde là! Oh! Tu veux danser avec moi? Tu parles d'un changement de style? J'adore les paillettes! Ah oui? Raconte-moi tout. Oh, donne-moi une seconde. J'arrive tout de suite! Naomi, tu vas bien? Forcément trouver quelque chose ici. Hé, hey, cette vieille dame a des dents. Je suis sur le coup. Youhou. Oh, il y a quelqu'un. Ah, j'espère vraiment que ça va tenir. Oh. Oh, c'est plutôt confortable. Vraiment désolée, David. Oh, attends. Oups. Burke. Bref, je vais faire comme si je n'avais rien vu. Betty est toujours endormie? L'occasion parfaite pour faire une farce. Tout le monde veut une moustache, non? Enfin, peut-être pas les filles. Oh non, je crois qu'elle va se réveiller. Oh, achoum! C'est pas passé loin? Et n'oublions pas d'enlever ces choses-là. Ces poils vont rester là où ils sont.
Oh! Ah! J'avais vraiment besoin de cette sieste. Je n'ai pas dormi aussi bien depuis des lustres. Hein? Qu'est-ce que j'ai sur la lèvre? J'ai quelque chose sur le visage? Oh, mais c'est une blague! Pas de panique, je n'ai qu'à les raser. Où est mon rasoir? Oh! Oh! J'ai une idée! Est-ce que j'ai oublié mes ciseaux par ici? Oh! Ma petite boîte à miracles! Je vais forcément trouver un truc utile ici. Mon épilateur de sourcils! Pas de raison pour que ça ne fonctionne pas sur mes lèvres. Faisons un essai. J'ai l'impression que ça fonctionne. Oui! Ma peau est tellement sèche aujourd'hui. C'est la crème hydratante de Naomi. Il est temps de changer de formule. Oh! N'oublions pas la poitrine. La peau est super sensible à cet endroit-là. Oh, ça risque d'être drôle. Ah, je ferais bien de me préparer pour ce soir. Oh, mais qu'est-ce qui sort de mon peignoir? Des poils sur ma poitrine? Mais comment est-ce... Ah! Comment est-ce possible? Oh, oh non, c'est déjà le matin. J'ai fait le meilleur rêve de tous les temps. Et je suis super prête pour le petit déjeuner. Oh, ah! Quelle nuit! J'imagine que je dois sortir du lit. Oh, pas grave, c'est l'heure du petit déjeuner. Très bien. Oh, tu es déjà habillée? Pourquoi? Hein? Oh, Naomi, tu es encore à moitié endormie. Ok, j'y vais. Le violet te va toujours à ravir. Ouais. Au moins, je n'ai pas apporté de soutien-gorge. Attends, ce truc est à l'envers? Je vois rien! Ouf! J'ai eu peur pendant une seconde. Ah! Ta-da! Je ferais mieux de me brosser les cheveux. Oh, il y a plein de nœuds. Ouf! Waouh, Betty! C'est du rapide! Hein? Moi aussi, je peux faire des tresses. Attends, comment on commence déjà? Oh! Oh, Naomi! Quoi? Au moins, j'essaye! Laisse-moi t'aider! Ok, bien, Patouche, j'ai compris! Et attends une minute! Ce gadget devrait t'aider! Tiens! Waouh, ça a l'air sympa, ce truc! Il suffit d'accrocher quelques cheveux ici et de les tirer à travers les trois pentes. Et la machine fait tout le travail. Tu vois? Pas de nœuds! Oh! Pourquoi ne pas décorer avec des perles? Et pourquoi s'arrêter là? On peut faire des tresses partout! Super! Oh! Je veux des perles! Qui tresse ensemble, reste ensemble. Allons-y. La 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 la. Qui est toute propre? C'est moi. Youhou! Ouais. Ouah! Mais on dirait que j'ai mis les doigts dans une prise électrique. Comment ça a pu devenir aussi crépu? Oh. Attends une minute. Qu'est-ce que tu portes sur ta tête? On dirait un truc pour éléphant rose. Pourquoi il est sur ta tête? C'est juste une astuce de génie pour les cheveux. Ses cheveux sont doux comme de la soie. Oh! Mais mes cheveux sont tellement crépus et abîmés! Tiens, merci! Ah, ok, voyons voir. Mets-le juste sur la tête. Ah! Assure-toi que c'est bien serré. Et couvre la buse du séchoir. Voilà. L'air rentre. Waouh, ça le remplit vraiment d'air. Ah. Voyons voir si ça a fonctionné. Prêt? Attention. Et voilà. Waouh. Incroyable. On dirait que je sors de chez le coiffeur. Et ne t'inquiète pas, ma tenue est prête.
Tu vois? Très bien, les filles, c'est parti! Je crois que notre voiture est là. Je monte devant. J'adore cet emoji. Hé, regarde ça! Léo s'est fait couper les cheveux. Trop sexy! Ah ouais? Envoie-lui un selfie! Ok. Voyons voir. Burke? Quoi? Je ne savais pas que mon menton ressemblait à ça. Mais non, c'est la photo qui fait ça. Oui, Stitty? Voilà. Alors? Mon Dieu, c'est encore pire! Je crois que j'ai besoin d'une greffe de visage. Oh non! Donne-moi ça. Je vais t'aider. Ouvre l'éditeur de photos. Quelques réglages. Quoi? Fais-moi confiance. Voilà qui est mieux. Tu vois? Je dirais que tu as besoin de lunettes. Tu te trouves drôle? Je me sens toujours aussi moche. Ça va aller, attends. J'ai juste besoin de mon accessoire préféré. Ok, Naomi, voilà. Regarde ce superbe visage. Ouais? Pardon? Tu veux que je porte ça? Ok. Ouais, fais-le glisser. Comme ça? Et maintenant, je fais quoi? C'est exactement pareil qu'avant. Je m'en vais. Je ressemble à un monstre. Il n'y a plus rien à faire. Enlève-le. Calme-toi. Attends 5 heures, d'accord? Allons nous asseoir. Ah, il est quelle heure? Je crois que je peux l'enlever maintenant. J'espère que ça a marché. Combien de temps tu as gardé ça? Non, ne fais pas ça! Oh mec, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, un message? C'est quoi ce truc? C'est horrible! Tu crois qu'il a aimé? Oh! Pourquoi est-ce qu'il m'a bloqué? Oh, je crois que mes larmes sont coincées dans mes yeux! Essayons un peu de maquillage. Ah! Ça va être plus difficile que je ne le pensais! Non! Je t'ai eu! Je n'ai besoin que d'un doigt pour m'en servir! Zut, Burke! Dégoûtant! Je vais juste en mettre directement sur mon visage. Hé, c'est pas mal! Super! Je n'ai besoin que d'une main pour l'étaler. J'espère que ce n'est pas trop. Oh! Là, je pense que c'est bien étalé. Maintenant, les lèvres. Ah! Et voilà! Oh! Vite! Ne pas laisser couler! Oh! Je pense que c'est là que ma lèvre commence. Ok, je vais y arriver! Hé, Betty, quoi de neuf? Oh! Tu t'es regardée dans un miroir récemment? Tu fais encore plus peur qu'un clown! Vois donc par toi-même! Hein? Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Burke! C'est bon! Pas de panique! Frotte-toi partout, partout! Oh, quelle horreur! Tu as juste besoin de l'étaler. Hein? Waouh! Je ne savais même pas que ce truc existait! Tu n'as qu'à mettre le maquillage sur le pinceau, puis de le mettre contre ton visage. Il étale pour toi. Oh! Waouh! Ce truc m'a sauvé la vie! Je suis de nouveau jolie! Oh! Et pour tes lèvres, essaye ça. Puis mets-le sur tes lèvres. Voilà! Fais-toi plaisir! Ok, je suppose. Oh, ça a fonctionné? Super! Oh, j'allais oublier! Qu'est-ce que tu fais? Oh. Mes sourcils, tu vois? Oh.
Je ne peux jamais être tranquille. J'adore la couleur de ce vernis. Oh, voyons voir. Ah, hey, tu plaisantes sérieusement? Oh, ça ne va pas. J'espère que ça ne laisse pas de traces. Peu importe, je vais finir. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Vraiment? Oh, oh. Qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que je serais devenue dingue. Oh non! Zut! Oh non! Je suis rentrée! Oh! Oh, ma chemise! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Naomi? Oh! J'en ai assez! Hein? Oh oh! Tu veux m'expliquer? C'était un accident! La bouteille s'est comme envolée et a renversé le vernis! Je n'y croyais pas mes yeux! Je lui ai dit d'arrêter! Mais il n'en faisait qu'à sa tête! Étrange! C'est dingue, cette histoire, non? Ah, viens avec moi! Je vais te montrer comment faire! Les accidents arrivent! Il faut juste s'y préparer! Maintenant, utilise ça! Je ne comprends pas! Oh! Comme ça? C'est comme ça? Arrête tes bêtises! Tu mets tes doigts dedans, enfin! Et ça retient ton vernis! Oh! Waouh! C'est bien plus difficile de le renverser maintenant! Tu peux te concentrer sur tes ongles! Tu vois comme c'est plus facile! Ouais? Tu lui dis que non! Je le ferai pour toi si tu ne le fais pas! Oui, tu m'as bien entendu! Je crois que j'ai fait ma part. C'est le matin. Oh non! Qu'est-ce que j'ai bien dormi? Mais je dois y aller. Quoi? Depuis quand j'ai autant de points noirs? Mon visage! Je suis hideuse! Attends! Je vais juste tous les percer! Non, surtout pas! Attends une seconde! Oh! Je dois bien avoir quelque chose! Oh! Peut-être je peux juste les cacher! Tiens, ça te les retire délicatement! Et ça ne laisse pas de cicatrices! Tu vois, ils sortent de tes pores! Waouh! Merci! Ouh! Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de sortir dans une tenue toute neuve et magnifique? Rien ne peut gâcher ce moment. Hein? Est-ce que ce sont des pigeons? Bonjour les oiseaux! Est-ce que l'un d'eux vient tout juste de mon tout nouveau chemisier? Il faut que je prenne une douche. Ah, à l'aide! C'est bon, les bras en l'air. D'accord. Je t'enlèverai ça en un rien de temps, tu vois? Passons maintenant aux pièces du bas. Ou plutôt à ta nouvelle robe. Il suffit d'un ou deux coups de ciseaux et tu auras une nouvelle tenue. D'accord, passe ton bras, s'il te plaît. Waouh! Il reste juste à faire la synchronisation. Tu as besoin de cette ceinture plus que moi. Presque terminé! Oh, doucement! Hé, cette nouvelle tenue n'est pas mal! Elle est encore plus mignonne que la première, merci! Pas de problème, maintenant va sur le podium! Oh, fais ce que tu as à faire, ma fille! C'est ce que j'appelle une fille épique! Attention au vent! J'adore les dimanches après-midi. Oh, la voilà. C'est pour vous. Je ne comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que mon petit ami fait dans ces photos? Et qui est cette fille avec qui il est? Regardez comment il la fixe.
J'en reviens pas. Croyez-le, les caméras ne mentent pas. Ah, c'est rafraîchissant. C'est à vous de jouer maintenant. Oh, c'est terrible! Salut bébé, surprise! Surprise? Bonjour. C'est pour toi. Et c'est pour toi. Tu peux m'expliquer? Et alors, allez, parle! T'es sérieux? Oh, adieu! Oh, pourquoi les garçons sont-ils si compliqués? J'aurais dû le savoir. Pourquoi ne m'aiment-ils pas? C'est tellement injuste! Hein? C'est Kevin! Il veut sortir avec moi? Waouh! Je vais lui envoyer une photo pour confirmer. Waouh! Pas avec ses yeux de raton laveur! Je savais que j'aurais dû mettre du mascara waterproof! Il ne s'enlève pas! Allez! Alors, qu'avons-nous là? Des larmes de mascara? J'arrive! Bonjour à nouveau! Commençons par tout enlever d'ici. Que se passe-t-il? Cela ne prendra qu'une seconde. Non, s'il te plaît! C'est juste du ruban adhésif, tu vois. Oh! Je vais te montrer comment faire. Une fois que tout est en place, choisis ta teinte. Applique ensuite le produit sur la paupière comme suit. N'oublie pas de faire les deux côtés. Ça a l'air pas mal du tout. Voilà, un travail bien fait. De quoi ça a l'air? Tous les résidus de mascara ont-ils disparu? Parce que je me sens bien. Oui, c'est bien. Je ferai mieux d'y aller. Merci beaucoup. Hein? C'est moi, tu vois? Je ne pouvais pas te laisser faire ça toute seule. Fantastique! Ce n'était vraiment pas un problème. Au revoir. Hé, quoi de neuf? Oh non, qu'est-ce que c'était? Je ne vois rien. Mindy? Qu'est-ce que c'est? Tes fesses! C'est collé à ta jupe! Hein? Oh non! Oh! Je peux pas rester ici! Mindy, attends! Oh, où vais-je aller? Oh, où vais-je aller? Je veux que personne ne voie mon derrière! Mindy, tout va bien! Écoute, j'ai des vêtements de rechange! Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut! Je dois juste les trouver! Tadam! Voilà, tu peux les porter! Je pense qu'ils t'iront bien! Oh, merci! Fais-moi savoir s'ils te conviennent! On enlève l'ancien et on enfile le nouveau. Oh! Je pense que nous avons un problème ici. Oui. Ils sont beaucoup trop grands. Laisse-moi réfléchir. J'ai une idée. J'ajusterai simplement l'endroit où je le boutonne. Il suffit de le passer dans la boucle. Ensuite, il faut le boutonner comme à l'accoutumée. Tu vois? Oh, waouh! C'est incroyable! Oh! Oui, on devrait y aller. Le travail d'équipe permet de réaliser les rêves. Ah, j'ai bien compris. Oh oui. Oh, waouh. Mon sourire est-il suffisamment amical? Oui, il l'est. Oh, mon téléphone. Attends, il y a une fête à 6 heures? Tu veux vraiment y aller? Certainement! Oui! Combien de temps avons-nous pour nous préparer? Il semble que ce soit dans moins d'une heure. Nous devons prendre des décisions rapides. C'est bon! Que la course commence! Qui sera la plus rapide? J'espère que t'es prête! À vos marques! Prêt? Partez! Oh! Il ne faut pas dépasser la ligne ici! Mes sourcils sont-ils trop pleins? Et ils sont prêts! Je ferai mieux de continuer. J'espère que cette ligne est droite. Et je passe à l'autre œil. Et c'est fait! Ah oui?
Je peux aussi me mettre de l'eyeliner, tu sais. Des yeux ailés pour gagner. Facile, facile. Oh, on va être en retard. Ok, les yeux sont faits. Oh! Ok, Sunny, dépêche-toi. J'ai fini. À moi de jouer. On se met du rouge sur les joues. Oh, j'ai toujours mon front à maquiller. T'as presque fini, Mindy. Excellent. Le gloss ne devrait pas prendre trop de temps. Tu vois, c'est fait. La pression est à son comble. Oh, le crayon à lèvres prend toujours une éternité. Mais si je fais attention, tout devrait bien se passer. D'accord, c'est presque fini. Maintenant, place au gloss. Presque terminé ici. J'en veux beaucoup aujourd'hui. Joli! Ça a l'air bien. Il reste 10 minutes. J'espère que les gens aiment mes cils bleus. Ils complètent si bien l'orange. Tu vois? Waouh! De si beaux cils! Voici comment les obtenir. Commence par gratter de l'ombre à paupières bleues. Prends-en un peu et dépose-le dans un mascara transparent. Introduis maintenant la baguette et mélange un peu, jusqu'à ce que tout devienne bleu. Il ne te restera qu'une seule chose à faire. Et tu en as un tube entier. Waouh, c'est si simple! Il est 5h55! Allons-y! J'arrive pas à croire qu'on soit seulement lundi. Oh! Waouh, ce garçon est trop mignon! Oh, c'est pas vrai, il me fait coucou! Salut! Pourquoi est-ce qu'il part par là-bas? Oh, mais quelle idiote! Oh, je sens que la journée va être longue! Oh, c'est quoi ça? Quelqu'un a dû le faire tomber ou un truc comme ça. Je l'ai trouvé, je le garde. Personne ne m'a vu le prendre de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh! On dirait que les choses vont enfin s'améliorer. Et pour une fois, tout est clair comme de l'eau de roche. Voyons comment les gens me traitent maintenant. Vous pensez que quelqu'un va me remarquer? Waouh! Je peux t'accompagner en cours? Oh, fais la queue, mec. Oh, non mais regardez-le planté là. Il ne sait même pas que j'existe. Qu'est-ce qu'il est intelligent! Je suis tellement amoureuse de lui! Oh, il a une copine? Hey! Qu'est-ce qu'il lui trouve, franchement? Sûrement plein de choses. Je pourrais jamais lui ressembler. Salut, bébé. Burke, pourquoi est-ce qu'il faut que je sois assise pile au milieu? Au moins, je suis près de mon amoureux. Dommage que je sois invisible à ses yeux. Oh! Salut, beauté. C'est pour toi, mon seul et unique amour. Tu peux lui donner? Hein? À lui, t'as compris? Bref. Tu m'as prise pour qui? Ton facteur? Et c'est quoi d'abord? Oh, t'es sérieuse? Je vais pas lui donner ça. Oh, ça craint! Tiens. Quoi? Oh, elle m'envoie des bisous! Cool! Mouah, voilà en retour. Comme si l'école n'était pas assez pénible. Oh, j'en ai vraiment marre de cette situation. Je t'aime, mais moi je t'aime plus. Oh, c'est épuisant. Est-ce qu'un jour je ressemblerai à ces filles super belles? Avec leurs lèvres pulpeuses? Et si je prenais le problème à bras-le-corps? Je vais redonner un peu de volume à mes cheveux. Oh, c'est une bonne idée le rouge à lèvres. Il faut que je m'en mette une bonne couche. Magnifique. Maintenant, je vais les imprimer sur une feuille. Mouah! Mes lèvres sont vraiment si fines. Oh! Ah! Je serai jamais tranquille. Bah! Fichu rouge à lèvres. Oh! C'est trop nul. J'arrive à rien avec mes cheveux qui se baladent partout. Hé! Une petite minute. Je pourrais m'en servir pour mes lèvres. Ça devrait aider à faire monter le sang. Voilà, c'est déjà mieux, je le sens. Plus qu'à attendre. Voilà, ça devrait être bon. Oh, c'est vachement mieux. Elles sont bien repulpées.
Rien à voir avec mes petites lèvres toutes fines. Parfait, je reprends confiance en moi. Oh, encore ces deux-là. Je vois pas ce qu'il y a de si drôle, mais d'accord. Mouah! Moi aussi, je peux jouer à ça. Hein? C'est quoi? Wow! Elle m'a envoyé un bisou! À plus tard, bébé! Mouah! Wow, elle est nouvelle! Hé! Hey, donne-moi ça! Mais non, bébé, c'est toi que j'aime! Ouais, je suis trop contente qu'on sorte enfin ensemble! Wow, merci! Tu veux qu'on s'embrasse? D'accord! Hein? Qu'est-ce que c'est? Il est déjà là? Oh non, j'ai raté mon réveil! Pourquoi il n'a pas sonné? Oh! Ouch! Il faut vraiment que je m'active! Oh non! Ma peau est horrible! Burk! Bon, c'est rien, je vais arranger ça. Il suffit que je mette des patchs anti-cernes. Quoi? Oh! Je vais me rincer le visage à l'eau froide. Oh! C'est gelé! Hein? Oh! Hé, hey, ça vaut le coup d'essayer, non? Adieu les poches! Ah! Oh! Ouh! J'ai toujours ma tête d'endormie! Y a quelqu'un? Tiens, y a quelqu'un à la porte? Je n'attendais personne pourtant. Oui? Entrez! Très bien, jeune homme, suis-moi! Tu n'as qu'à attendre là, d'accord? Fais comme chez toi! Mince! Pourquoi rien ne fonctionne? Je crois que je vais devoir y aller comme ça! Elles sont plutôt cool, pas vrai? Hein? Comment t'es arrivée là? Ouf, il ne m'a pas vue! Il me faut encore quelques minutes! Chérie? De quoi as-tu si peur, ma puce? Laisse-moi tranquille, maman! Les jeunes de nos jours! Dis-moi tout! C'est à cause de ma tête! Oh, je vois! Je suis déjà passée par là! Et j'ai exactement ce qu'il te faut! Mes copines et moi, on faisait ça tout le temps! Il suffit d'avoir un concombre et de quoi le trancher! Regardez! Une fois qu'on a ça, trempez-y du coton! Une moitié pour chaque œil. Une fois qu'ils sont bien imbibés, on va pouvoir les appliquer. Séchez vos larmes. Quoi? Tiens, tu devrais utiliser ça, chérie. Des patchs pour les yeux? Waouh! Ils sont tout frais en plus. Tu veux bien sortir de ce frigo maintenant? Mes yeux vont déjà beaucoup mieux. Je pense que tu dois pouvoir les enlever. Alors? Wow! C'est bon, c'est parti! Bien, vas-y maintenant. Désolée de t'avoir fait attendre. Mais ça en valait la peine, non? Wow! Ils sentent vraiment très bon! Ah! J'espère que j'en ai fait suffisamment. C'est du bon travail! Quel chef-d'œuvre! Wow! Franchement, je suis trop canon! Ouvert ou fermé? Cette coiffure est vraiment au top! Wouhou! Mamie? Je t'ai fait des cookies, mon petit chat! Mamie, je vais à une fête, là! Peut-être plus tard, d'accord? Désolée! Comment ça, une fête? Tu vas vraiment sortir? Comme ça, tu es bien plus mignonne, ma chérie! Mamie! Tu veux bien? Laisse-moi arranger ça. Oh! Arrête, mamie! J'ai pas besoin de ton aide. Les jeunes n'ont aucun respect. J'ai cuisiné tout l'après-midi et pourquoi? Pour qu'elle aille à une fête? Oh non, elle a oublié son sac. Elle ne risque pas d'aller bien loin sans ça. Bon sang! Je crois que je suis au bon endroit. Ah, la voilà! Hé, attends! Ton sac! Misère! Mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient.
Bonsoir, ma petite fille a oublié son sac. Je peux le lui apporter? Réservé aux élèves. Je comprends, mais c'est important. Un miroir? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Ce sont mes quelques rides qui vous effraient? Bon, très bien. Je ne peux pas croire de telles bêtises. Je voulais simplement aider. Oh! Une seconde, je parie qu'il y a du maquillage là-dedans. Bien, voyons voir. Oh, quel est cet engin? Ça a l'air de faire mal. Je vais quand même essayer. Finalement, ce n'est pas désagréable. Ma peau est beaucoup plus douce. Waouh, quelle aventure! Dites donc, j'ai plutôt bonne mine. Je vais le garder. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un pullover? Hey, c'est confortable. Y a-t-il quelque chose d'autre dont je pourrais me servir? Oh! Une seconde. Tu me dis quelque chose. J'arrive pas à me souvenir d'où. Bon, tant pis, vas-y. Wouhou! Mon petit chat. Hein? Mamie? C'est moi. Tu avais oublié ton sac. Et pendant qu'on y est, je me suis dit que tu en voudrais peut-être un. Mamie! Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah! Finalement, on dirait que ça augmente ma cote de popularité. Oh! Un concours de beauté! Ok, c'est parti! Je ne veux plus aucun poil sur le visage. La cire d'abeille disparue. Oh, quelle horreur! Je vais vomir. Là, c'est sûr, tu vas gagner. Évidemment. Oh! Moi aussi, je connais quelques astuces de beauté, tu sais? Et ça ne me coûtera rien du tout. T'as vu, je suis pleine de ressources. Cette banane n'est pas qu'un simple petit déjeuner. Assure-toi de l'étaler un peu. C'est pas mal, non? Et maintenant, une touche de couleur. Tu parles d'une jolie teinte violette. Cette couleur est magnifique. Je suis prête pour mon gros plan. Ha! C'est le moment de faire des nattes. Je prends une petite mèche, juste ici. Je la passe dans les petits crochets. Accroche-toi bien, petite mèche. C'est parti pour un tour. La deuxième mèche, c'est fait. Et de trois. Regarde, ça va tout seul. Pourquoi je m'embêterais à le faire à la main? Ce gadget fait tout le travail à ma place. Et pas un seul nœud en vue. C'est presque fini. Il faut juste que je l'attache. Tu n'iras nulle part, tu m'entends? Voilà, mes cheveux sont fabuleux. Et ce bandeau est la touche finale parfaite. Je suis tellement douée. Ah, ce petit tour aux toilettes était nécessaire. J'ai l'impression d'être une nouvelle femme. Bon, où est-ce que j'en étais? Waouh! Où est-ce que Naomi a fait faire ses tresses? J'aimerais en avoir. Oh! C'est ma tête, ça? Mais non! Mes cheveux sont affreux! Oh! Oh! Mon papier toilette! Je peux me servir de ça! Je dois juste le plier en une fine bande! J'y suis presque! Une fois que c'est fait, je le plie encore une fois comme ça! Maintenant, c'est la partie compliquée! Voilà! Passons au bouclage! Commence par les pointes et enroule la mèche jusqu'à la racine! Encore un peu, puis fais un nœud une fois en haut! Veille à ce qu'il soit bien serré! Je crois que ça tient bien. Combien de temps ça va prendre? Oh, je m'ennuie. Il faut que mon sang circule d'une manière ou d'une autre. Oui, elles sont prêtes. Oh, une boucle. Plus que quelques mèches à défaire. Et... Waouh! Regarde ces magnifiques boucles, bébé. On dirait que je sors juste de chez le coiffeur. Attends, est-ce qu'il est propre? Peut-être que personne ne remarquera. Waouh! Regarde ces bonbons! J'aimerais vraiment en goûter un. Mais je dois me contenter de ce que j'ai apporté. Le bon vieux coup du cacao dans le yaourt. C'est bon, mais c'est pas très original. Ouais, ça va. Votre déjeuner, mademoiselle Naomi. Oh, va-t'en!
Waouh, un déjeuner livré en main propre sur un plateau d'argent? C'est pour ma routine de maquillage, idiote. Tout d'abord, le fond de teint. Ce pinceau permet de tout appliquer en douceur. C'est bien mieux que d'utiliser ses mains. Tu vois comment ils se font dans la peau? Il n'y a que comme ça que je me maquille maintenant. Bon, je pense que ça ira. Oh, c'est marrant à regarder. Oh, je m'en suis mis partout, non? Attends une minute. Je ne peux pas faire ça avec les mains. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Oh, cet œuf est tout mignon et tout doux. Je vais juste l'emprunter une seconde. Autant essayer, non? Ce truc fait office d'éponge à maquillage. C'est beaucoup plus doux que les doigts. Heureusement que ce yaourt correspond à mon teint. Alors, de quoi j'ai l'air, Naomi? Attends, je ne te vois pas. Est-ce que t'as les pouces en l'air? Attends, tu ne trouves pas ça bien, c'est ça? Oh, tes œufs? Je vais t'expliquer. Burk, comment ce truc est arrivé là? C'est rien, ce petit machin va tout arranger. Je suis prête. Allez, il se passe un truc là? J'ai pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit. C'est parti? Oh! Il est temps pour un bon brossage. Et j'ai besoin de beaucoup de dentifrice. Ah, je me sens déjà plus propre. Adieu le violet. Waouh, j'adore ça! Regarde mes magnifiques dents blanches. Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie boîte dorée? Quelque chose de brillant, j'espère. Je pense que je peux ajouter des paillettes dans ma bouche. Il faut juste que je soulève ma lèvre supérieure. Voilà! Je suis parée pour quelques strass. Les dents de devant sont parfaites pour ça. Peut-être même toutes les dents. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Super! J'adore! C'est trop beau! Oula, tes dents auraient bien besoin d'un bon brossage. Elles sont tellement jaunes! Naomi, réveille-toi! Allez, Naomi, réveille-toi! S'il te plaît, il y a quelqu'un là-dedans? Ouh! Naomi! Est-ce que je dois appeler de l'aide? Oh, qui est-ce qui mange des œufs pourris? Hé! Hey, c'est quoi ton problème? C'est ta bouche! Oh, c'est trop gênant! J'ai une brosse à dents, tu sais? Je vais me les brosser rapidement! Oh, les poils sont vraiment durs! C'est mieux? Non! C'est pas vrai! Attends une minute! Je reviens! Ne fais pas attention à moi, grand-mère! Je t'emprunte juste ça 2 minutes! Phew! Regarde ces dents blanches! Ça rentre? Oh! C'est un peu raide! Alors? T'en dis quoi? Ça me va bien, non? C'est normal d'être jalouse! J'espère que mon eyeliner est là-dedans. Il n'y a qu'un moyen de vérifier. Voilà, c'est mieux. Trouvé! Je vais juste faire une petite virgule. C'est symétrique? Et maintenant? Pourquoi c'est si compliqué? J'ai une urgence! D'accord. Il y a toujours quelque chose avec elle. Tenez. Ah, et si on recommençait, hein? Oh, c'est arrivé! Fini l'eyeliner craquera pour moi! Pas tant que j'aurai ce gadget hyper pratique! Plus que quelques étapes! Et voilà! Est-ce que ça s'allume? Plutôt pas mal, hein? Ça fait maquillage de robot stylé ou un truc du genre! Parfait pour une reine! Youpi! Oh! Moi aussi, j'ai quelques gadgets dans mon sac! Voyons voir! Il y a un truc intéressant? J'avais oublié que j'avais toute cette peinture. Ok, ces crayons feront certainement l'affaire. Ouf, j'ai oublié d'enlever mes lunettes. D'accord, c'est moi ou ce truc est invisible? Ah, c'est fichu! Je n'aurai jamais de maquillage pour les yeux aussi joli que celui de Naomi. J'ai plus qu'à peindre sur du papier. Attends, la réponse est là depuis le début. Prends le coin d'un sac alimentaire en plastique. Ajoute plusieurs couleurs, comme ça. C'est là que ça devient amusant. Il suffit de le presser contre ta paupière. Puis de l'autre côté de mon œil. C'est joli? C'est un oui sans hésitation. Le mien est mieux. Peu importe, le mien est génial. Sérieux? Oh! Waouh! Regarde ces lèvres pulpeuses. Les miennes ne seront jamais aussi belles. Elles sont tellement basiques et fines. Allez, gonflez!
Vous voulez bien gonfler un peu, oui? Pourquoi celle-ci ne veut pas rester comme ça? Oh! Je vais les maintenir avec ça. Qui voudrait embrasser des lèvres pareilles? Oh! Personne, évidemment! Un peu de scission devrait m'aider. Comment je fais? Ce truc est vraiment coincé! Bon, je crois que c'est fichu. Oh, phew. Attends, mes lèvres, elles sont pulpeuses! J'arrive pas à croire que ça ait marché! Waouh, quelle beauté! Je ne me suis jamais trouvée aussi attirante! Eh bien, si ça marche sur les lèvres, pourquoi ne pas repulper ce popotin? Ouais! Rien du tout? Allez! Trop bizarre! Enfin bref, voyons ce qu'on a là! Il est trop mignon! Viens par là, petit chat! Mais qu'est-ce que tu es doux! Viens là! Prends-le! Bref, voilà ce que je cherchais! Et regarde, c'est un masque de chat! Oh, qu'est-ce que c'est agréable! C'est parfait! Mais qu'en est-il de mes petites mains? Ou devrais-je dire de mes petites pattes? Miaou! Ça fait du bien! Je pourrais presque ronronner. Mais je ne le ferai pas. Waouh, regarde-moi ces belles lèvres pulpeuses. Mouah! Joli, hein? Mais on peut faire encore mieux. Regarde. Waouh, laisse-moi essayer. Eh, pas mal. Allons-y. Salut à tous. Je sais, je suis fabuleuse. Prenez une photo, ça durera plus longtemps. J'ai jamais fait ça avant. Waouh! Toute cette attention! Vous aimez ma coiffure? Je l'ai faite moi-même! Alors, lequel de ces deux looks vous plaît le plus? Bien, bien, bien. C'est une décision difficile, n'est-ce pas? Attends, de qui elle parle? Alors, c'est entendu? Parfait. Très bien, les filles. Nous avons choisi... Nous avons décidé qu'il n'y aurait pas une gagnante, mais bien deux. Ce concours de beauté finit par une égalité. D'accord, ça nous va. C'est l'heure de prendre une bonne douche. J'en mourrais d'envie. Qu'est-ce que ça fait du bien? La 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 la, singing in the shower. Je devrais me reconvertir en chanteuse. Ça a l'air bon. On sèche maintenant. J'adore cette coupe. Un vrai petit arc-en-ciel. C'est presque l'heure. Il faut que je me prépare. Comment sont mes cheveux? Je devrais peut-être essayer quelque chose de différent. Attends, je me souviens de ce que ça avait donné la dernière fois. Aïe! Ça fait mal! Pourquoi je fais tout le temps ça? Le fil est coincé. Oh! Hein? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh non, ça ne va pas du tout! Je ne me sers plus jamais de ce truc. Il doit bien y avoir un moyen de me faire des boucles sans me blesser. Je peux peut-être me servir de ces pinces à linge. Ça ne coûte rien d'essayer. Je vais faire passer mes cheveux sur le séchoir à linge. Et je vais enrouler les mèches autour. Les pinces à linge vont me permettre de les tenir en place. Comme ça, j'espère que ça va marcher. Peut-être que je ne ressemble à rien, mais c'est pour la bonne cause. C'est bon, voyons voir ces magnifiques boucles. Ça fait bizarre. Incroyable! Mes cheveux sont trop beaux! C'est l'heure d'y aller! Ouah! Le fer à boucler me veut vraiment du mal! Ahem, regarde par ici! Mais non, quel bracelet! Quoi, ce vieux truc? Il y a tellement de diamants qu'il est super lourd! C'est mignon! Attends que je repousse mes cheveux en arrière! Tu aimes bien mes boucles d'oreilles? Waouh! Elles sont sublimes! Je suis trop jalouse! Eh bien, regarde ça! Impressionnant, non? C'est tout? J'ai quand même un sourire qui vaut un million! Je n'y crois pas! Oh, je sais! Ça lui apprendra! Des bijoux de cheveux! Qu'est-ce que tu dis de ça, Luna? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Ça n'était pas censé faire ça? Oh non, c'est tombé! C'est trop gênant!
Regarde ça! Waouh! C'est quoi ça? Il faut juste clipper les bijoux dans les cheveux, c'est trop simple! En plus, il y a différentes couleurs! Dis donc! C'est incroyable! Eh oui! J'adore cette coiffure! Mais ma coupe est nulle à côté de ça! Oula! C'est très lumineux ici! Je ne vois plus rien! Mes yeux! C'est mieux! Oh là là! Toutes ces coiffures! Je les adore! Je changerai bien de tête! Mais comment? On va tenter quelque chose! Je vais avoir besoin de ces ciseaux! C'est parti! Sois forte, ce ne sont que des cheveux! Oula! Je ne ferai pas ça à ta place! Fais-moi confiance! Je l'ai appris à mes dépens! Passe-moi les ciseaux! On l'a échappé belle! Avec ça, je ne changerai jamais de coiffure! Ou peut-être que si! Je crois que j'ai une idée! Je vais me servir de cet élastique pour faire une demi-queue! Que je vais amener vers l'avant! Ensuite, je vais faire une tresse avec le reste de mes cheveux! Ça va être trop beau! J'ai presque fini! C'est bon pour l'arrière! Ensuite, je vais séparer ma demi-queue en deux et je vais glisser ma tresse au milieu. Je tire bien. Et maintenant, pour les pointes. Je vais me servir de mon lisseur. La chaleur permettra de bien les lisser. Et je vais bien les répartir sur mon front, comme ça. C'est très bien. C'est très sympa. Je mériterai d'apparaître dans un magazine. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je ne comprends pas. Tu n'as pas touché aux ciseaux. C'est juste que je suis une bonne coiffeuse. Dis donc, j'ai vraiment bien dormi. Oh, mon goûter nocturne. Oh, c'est aujourd'hui, ça? Oh non, je suis en retard. Il faut que je me dépêche. Oula, mes cheveux sont super gras. C'est horrible. Mais c'est quoi cette odeur? Je suis obligée de me laver les cheveux. Attends. Il n'y a pas d'eau? Wouhou! L'eau! Je sais que tu es là! Oh, comment je vais faire maintenant? Je peux peut-être me servir de ce talc. Je vais en saupoudrer sur mes cheveux. Et je vais faire pénétrer la poudre. Ça a fonctionné à merveille! Le talc a éliminé le gras. On dirait que je viens de me laver les cheveux. Et maintenant, prête pour la photo! Tchoum! À mes souhaits. Bon, il faut que j'y aille. Cette soirée est super sympa. Oh, il est trop mignon. Hey, j'adore comment tu danses. C'est pas vrai? C'est sérieux? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je devrais peut-être jouer plus avec mes cheveux. Tu danses trop bien. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est trop injuste. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas de beaux cheveux longs. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais aimé avoir les mêmes cheveux que toi. Ça? Tout est une question de coiffure. Je vais t'aider. D'abord, on va enlever cet élastique. Et on va attacher tes cheveux plus haut. On va faire une demi-queue ici. Et ensuite, on va tirer les côtés. Et on va utiliser un autre élastique pour refaire une queue de cheval au-dessus de la première. On fixe bien le tout. Ça te va super bien! Comment tu trouves? Mais non! T'as fait ça avec mes cheveux à moi? Oh merci! Tu es la meilleure! Allez, on va danser! Tiens, te revoilà! Waouh! Cette soirée est incroyable! Qui bouge? Oui, bouge tes cheveux! Wouhou! Les filles, faites un peu attention! Un peu de lac. Protège tes yeux. Voilà, mon chef-d'œuvre est achevé. Comment tu trouves? C'est... ça change. Attends, ça change en bien ou en moins bien? Qu'est-ce qui t'a pris? Pas de panique, je peux arranger ça. Qui n'aime pas les roses? Tada! Sérieusement? On dirait que j'ai traversé un buisson. Mais c'est ma marque de fabrique! Je vais devoir arranger ça moi-même. Qu'est-ce que je peux prendre? Cette pince, peut-être? Je sais quoi faire. D'abord, je vais me faire une queue de cheval. Ensuite, je vais glisser l'élastique vers le bas. Je vais séparer la base de la queue en deux.
et la faire passer vers l'intérieur. La pince me permettra de maintenir les cheveux en place. Dis donc, c'est pas mal et c'était super simple à faire. Waouh, comment tu as fait ça? C'est trop, j'abandonne. Je quitte cette pièce. Hein? C'est quoi son problème? C'était juste une pince. C'était vraiment un beau match. C'était intense. Je n'ai plus de force. L'autre équipe était vraiment bonne. Mais on était meilleurs. De loin. Tu as vu mon tir? Qu'est-ce que tu fais? Je n'arrive pas à enlever l'élastique. Aïe! Tu viens de m'arracher des cheveux. Ça va faire mal. Oula! Attends! Essaye d'utiliser cette huile de coco. Je t'assure que ça va t'aider. Attends, je vais essayer. On va en verser quelques gouttes sur l'élastique et on fait glisser tout doucement. Les élastiques glissent tout seuls. Et en plus, mes cheveux sont tout doux et ils sentent bon. C'est comme un après-shampoing. Oh, n'oublie pas ça. Allez, je ferai mieux de rentrer. À plus tard. Salut, Sophia. Ouah! Oh, t'as dû avoir mal. Tu veux que j'appelle les pompiers? Tout va bien, je vais juste rester là un peu. Aïe. Cette nouvelle école est super. C'est des tampons! Burk! Qu'est-ce qui est si drôle? Oh non, ce n'est pas possible! La journée commence mal! À moins que je reprenne le contrôle! Savais-tu que les tampons pouvaient servir à faire de superbes boucles dans tes cheveux? En plus, ils ont la taille parfaite! Alors enroule-les et un peu de patience! Tu vois? Fabuleux! Waouh, c'était incroyable! Heureusement que j'en ai apporté beaucoup! Oh, essayons! Pour ton nez qui coule! Ah, rien de tel que de nouveaux vêtements! On se sent comme une toute nouvelle personne! Mais ces vieux collants peuvent être problématiques! Non! Tu vois ce que je veux dire! Et maintenant? Heureusement que j'ai une autre paire. Je vais essayer encore une fois, d'accord? Doucement, doucement. Oh! Non! J'ai la poisse ou quoi? Et cette paire? Ding, ding, ding! Nous avons un gagnant! Oh! C'est quoi votre problème, les ongles? Oh! Je laisse tomber! Et ces vieux trucs? Impossible! Oh. Mais non! Ces trous sont énormes! Oh. Et me voilà! Bon, je me serre et je me casse! Il y a quoi d'autre par ici? Des fleurs fraîches, parfaites pour offrir à ma chérie! Regarde ce magnifique visage! C'est pour moi! Ces gens doivent être riches! Oh oh! Je ne suis pas seule! Pourquoi toutes ces larmes? Mes collants continuent de se déchirer à cause de ces stupides ongles! Quoi? J'ai une paire en parfait état! Tu vois, ils sont à toi! Mais mes doigts! Mets des gants alors! Attrape! Des gants? Bien sûr! Merci! Plus de problème! Il s'enfile super facilement! Je peux même tirer dessus, tu vois? Merci! Mes jambes sont fabuleuses! Ce voleur s'y connaît! Tu sais quoi? Elles sont presque aussi jolies que toi! Ah! Merci! Attends une minute! Oh oh! Il est temps de partir! Reviens ici! Salut Gina! Regarde ma tenue! Jolie, hein? Ouais! Super sympa! Bon, j'ai faim, moi, maintenant! Alors, des chouettes ragots? Ouais! Oh mon Dieu! Regarde ce sac à main! Et celui-là aussi! Oh non! Pas ma jupe! Je suis couverte de thé! Comment tu peux être si maladroite? Oh, désolée, laisse-moi t'aider! Oh, je suis juste un peu maladroite aujourd'hui. Tiens!
Quoi? Merci alors. Attends. Je sais. Quoi? Donne-moi ta jupe. Ok, si tu insistes. Maintenant, regarde la magie opérée. Mets-la dans un bol avec plein de sachets de thé. Puis, verse de l'eau chaude gluante. Tu vois la couleur qui dégorge? Il faut qu'elle soit complètement submergée. Laisse-la tremper pendant une journée. Et tu auras une nouvelle jupe. Qu'est-ce que tu en penses? Tiens, elle est encore mieux qu'avant. Waouh! Qui est cette déesse? J'y vais! Waouh! Oh non! Une preuve de mon amour, ma chérie! Oh, j'aimerais avoir un petit ami! Comme ça, j'aurai des cadeaux aussi! Oh, c'est tellement beau! Ouais, tu es si gentille! Bref! Oh oui! Hé, les yeux de ce côté, s'il te plaît. Il serait si heureux si j'étais sa petite amie. Oh, trop gentille. Oh. Ouais. Hé, je ne suis pas invisible, tu sais. Waouh. Je suis une pro du maquillage. Oh, fantastique. Oh, tu aimes le rouge à lèvres? Je peux le faire aussi, regarde. D'abord, utilise une lame pour couper le haut du bâton. Ensuite, pousse-le jusqu'en haut. Maintenant, coupe le long du côté comme ceci. Et refais pareil de ce côté. Enfin, coupe un morceau en forme de triangle ici et enlève-le. Lisse les côtés avec la partie plate de la lame. Maintenant, tu as un rouge à lèvres en forme de cœur. Wouhou! Qui veut un peu de mon amour? Je sais à qui je veux le donner. Ok! Et... Oups! Hein? Oh non! Je suis tellement maladroite! Attends! Laisse-moi t'aider! Quoi? Je t'aime! Je veux dire, merci pour ton aide! Oh! Et voilà! Je suis de retour! C'est quoi ça? Un cœur? Laisse tomber! Fiche le camp! Tu m'accompagnes au cours de chimie? À plus! Oh non! Mais attends, je t'accompagne en cours! Tu as mon cœur après tout! Et maintenant, j'ai le tien! Ouais! 1, 2, 3! Waouh, celui-là était grand! Ouf! C'était pas évident! Mais ça vaut la peine de souffrir pour la fête de ce soir! Et mon Jake sera là! Son joli appareil dentaire et tout! En fait, j'ai une idée géniale! Et ça va sûrement beaucoup plaire à Jake! Mais ça va demander un peu d'assemblage! On en ajoute encore quelques-uns. Et on obtient l'appareil dentaire! Maintenant, place-les autour de tes dents. Bonjour l'appareil dentaire! Il va adorer ça! Je me demande si Jake est déjà là. Ohé! Quoi de neuf? T'as l'air en forme! C'est toi qui as l'air trop belle! Cette musique est géniale! Dansons toute la nuit! Youhou! Yeah! Levez les mains! Cette boule à facettes va-t-elle tenir? Gina, viens là! C'est bon! La fête est finie alors! C'est bon! Notre lumière dentaire va faire durer la fête! Génial! Que la fête continue! C'est une ambiance de folie! Les effets de lumière! Continuez de sourire, d'accord? Voilà! C'est beaucoup mieux! Ah, rien de tel que la bonne odeur des fleurs! Je suis à la maison! Phew! Oh oh! Oh Gina! Salut! Qu'est-ce qu'il y a? Sur quoi je me suis assise là? L'éponge à maquillage de Stacy? Pas mon problème! Pourquoi c'est si calme? Hé? Tu vas bien?
Pourquoi? Tout va bien. Je dois y aller. Où est-ce que tu vas? Comme tu veux. C'est l'heure du maquillage. Où est mon éponge à maquillage? C'est bizarre. Elle doit bien être quelque part. Oh, elle est là. Merci bien. Pourquoi est-elle coupée en deux? Gina! Hein? J'ai dû rêver. Retour au pays des rêves. Oh, je n'arrive pas à y croire. Elle a laissé ses affaires. Les choses vont s'arranger. Tu savais que tu pouvais utiliser du dentifrice pour garder ton éponge en un seul morceau? Il suffit de la mettre dans un sac en plastique et d'y ajouter de l'eau. Puis ferme-le et regarde la magie du dentifrice opérer. Oh, je sens que ça marche! Tada! Elle est de nouveau en un seul morceau! Et voilà! Qu'est-ce qui marche ou ne marche pas? Commente ci-dessous pour nous le faire savoir! Trouvez-vous ces astuces utiles? Assurez-vous de partager cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais rater le fun!